Il y a beaucoup de gens qui résument le succès sur Internet à un bon site avec un bon référencement Google. Or, c'est un résumé un peu sommaire et ça explique pas grand-chose. On va partir du principe que votre objectif, c'est l'acquisition de nouveaux clients. Ça pourrait être de nouveaux lecteurs, mais dans le cadre de cette formation, on se met dans la peau d'un entrepreneur. Il faudra simplement se poser trois questions et dans cet ordre précis. Quel outil et ou méthode je vais utiliser pour générer du trafic qualifié, c'est-à-dire qui correspond à ma cible, sur mon site? Une fois que ce trafic sera sur mon site, quel levier je vais actionner pour convertir un maximum de ce trafic en prospects? Les prospects sont des personnes qui vont vous demander de l'information, demander un devis, remplir un formulaire de contact. Voilà. Et enfin, quel levier je vais actionner pour optimiser la conversion de ces prospects en clients et plus même en clients fidèles? Alors pour chacune de ces trois étapes, il existe une multitude de méthodes, de techniques, de stratégies qui permettent d'atteindre ces objectifs. Chacune de ces méthodes va être plus ou moins adaptée à vos produits et surtout à votre cible. Donc il conviendra simplement de faire une sorte de marché, hein, de dire tiens, je vais prendre telle technique pour acquérir du trafic et puis telle autre, et puis telle technique pour convertir en prospect, voilà. Alors ce découpage en trois étapes, qui peut aussi se décliner en quatre étapes, il y a plusieurs façons de le concevoir. Il a pour clé cet élément central de la conversion en prospect qui est propre à une philosophie de marketing qu'on appelle l'inbound marketing ou marketing entrant. Et cette philosophie de marketing, elle part de deux constats simples. Premièrement, il est plus facile de vendre à quelqu'un qui vous connaît déjà et qui a confiance en vous. Et le deuxième point important, c'est que la vente est plus optimisée lorsque le client est dans une phase de recherche, d'informations, de solutions, plutôt que lorsqu'il est assis devant sa TV et qu'il avale et qu'il subit, entre guillemets, les spots publicitaires. Donc voilà, c'est ça un peu l'inbound marketing en quelques lignes. Et c'est une méthode très efficace pour acquérir de nouveaux clients.